Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une vidéo haul et ça sera ma première partie des soldes uniquement sur le magasin Kiabi. Donc les soldes ont commencé il y a exactement 2 jours. Autant vous dire que moi j'étais la première à 8h devant Kiabi Beno le mercredi en fait, puisque je voulais absolument déjà faire Kiabi et être dans les premières, puisque sinon vous avez plus votre taille, vous avez plus la couleur que vous voulez, etc, etc. Donc j'avais fait pas mal de petits repérages sur internet, puisque Kiabi commence toujours leur solde, ils commencent toujours leur solde une semaine avant. Et donc là leur offre une semaine avant les soldes, c'était un acheté, un gratuit. Donc j'avais fait les repérages sur internet, et en fait quand j'y suis allée mercredi, je savais ce que je voulais. Je savais approximativement la taille que j'avais besoin, mais bon, je suis quand même passée par les cabines d'essayage pour essayer, etc. Voilà, donc environ j'en ai eu pour une centaine d'euros, 120 euros à peu près, mais avec tout ce que j'ai eu, franchement je suis ravie. J'ai également pris des trucs pour mon doudou, donc voilà, je vous les présenterai pas dans cette vidéo parce que voilà, ça a rien de super. Voilà, je lui ai pris un caleçon avec genre des requins dessus, il y a la mer et des requins, et je lui ai pris également 2 bermudas, donc voilà, rien de très transcendant. Voilà, alors dans un premier temps, je me suis pris cette petite veste de blazer qui est couleur gris, comme ceci. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais bien entendu je porterai les vêtements comme d'habitude, puisque je sais que vous préférez ça. Et je vous mettrai également les liens en barre d'infos pour retrouver les produits s'ils sont disponibles. S'ils sont plus disponibles, je suis désolée, mais je ne peux pas vous inventer un lien. Donc cette première veste de blazer qui est couleur gris perle, qui a un seul bouton pour la refermer. Moi personnellement je ferme jamais mes vestes, que ce soit mes manteaux ou mes vestes, je les ferme jamais. Et en fait vous avez donc les manches qui peuvent se retrousser avec des petits motifs sur les manches, donc c'est assez sympathique. Je la voulais depuis un petit moment et en fait je ne savais pas quelle taille prendre. Et donc là il restait 2 tailles, il restait un 42 et un 46. J'ai essayé la 46, elle était beaucoup trop grande pour moi. Et la 42, elle est vraiment parfaite. Alors, elle me sert un peu, mais bon, je pense que dans 1 ou 2 mois, ça ira nickel. Personnellement, je ne mets pas de blazer avec cette chaleur-là, donc voilà, dans 2 mois, ça ira nickel. Voilà pour ce qu'il en est de ce petit blazer. Donc, au départ, elle était à 30 euros, je l'ai eu à 70%. Donc, ça l'a fait à 9 euros, c'est parfait, j'adore. Ensuite, toujours une veste de blazer. Alors, attendez, elle est en dessous. Que j'ai pris, alors je l'avais repéré, je l'avais vu sur pas mal d'Instagram, et je l'avais vu également en tenue du jour sur certains blogs, et j'avais complètement craqué dessus. Il faut savoir que moi ça me pose pas de problème de porter du blanc, tout le monde dit portez pas du blanc, ça grossit, etc. Moi j'ai pas de soucis là-dessus, donc voilà, j'ai pris une veste de blazer blanche, comme ceci. Alors là on va rien voir, encore une fois ça sera mieux porté. Je l'ai pris en taille 42 également, elle est vraiment sublime. Elle était au prix de 30 euros, moins 50%, donc ça l'a fait à 15 euros, parfait. Les vestes de blazer c'est des choses qu'il faut avoir dans sa penderie, c'est un basique à avoir, donc voilà. J'en ai une noire, j'en ai une violette, blanche et grise maintenant, donc vraiment parfait. Ensuite, alors... Avant de parler des robes, on va parler des affaires de sport. Il y avait pas mal d'affaires de sport en solde, mais vraiment en très très bon, très très bien soldé, puisque là j'ai pris un short qui est dit short de yoga. Alors attendez, vous avez un petit revers en fait au short. Il est rose poudré un petit peu, et donc vous avez un petit logo ici, donc genre la nana qui fait du yoga, genre mignon comme ça là. Voilà, et donc en fait le short j'ai dû le prendre en taille XL, puisque c'était ou S, non, ou XS ou XL. Donc étant donné que je le voulais vraiment, parce que pour traîner c'est vraiment parfait pour faire son ménage, etc. Bah je l'ai pris en XL, donc il me va un petit peu loose au niveau des jambes. Bon il me sert pas hein, mais voilà, je le porterai quand même. Donc au départ il était à 5 euros et il était soldé à 50%. Donc voilà, vraiment parfait, 2,50 €, ça fera l'affaire. Ensuite, toujours niveau sport, donc je me suis pris 2 pantalons longs et un short, donc comme ceci. La matière fait un peu matière cycliste, donc c'est une matière qui moule, qui est très très près du corps, donc c'est vraiment ce que je cherchais. Et donc les 3 choses en fait étaient à 70%, donc autant vous dire que ça valait vraiment le coup, puisque là le short au départ était à 8 euros
Et je l'ai eu à 2,40€, donc c'est vraiment parfait. Au niveau de la taille, il arrive au-dessus du genou. Et il est vraiment super bien. Vous avez un élastique qui est assez imposant quand même, donc au niveau de la taille. Et moi personnellement, ça me tient super bien mon ventre, donc c'est exactement ce que je cherche. Parce que voilà, quand je fais de la corde à sauter, quand je fais de la course, du vélo ou quoi, si mon ventre il bouge, parce que j'ai un petit peu de ventre et j'ai du ventre qui tombe, s'il bouge dans tous les sens, ça le fait pas. Donc voilà, vraiment parfait. Donc 2,40€ pour ce petit short. Ensuite, toujours dans le même esprit, je me suis pris deux pantalons. Donc le premier qui se présente comme ceci, qui est noir avec un élastique rose fluo et bleu. Voilà, 70% de 13€. Donc ça le fait à 2€. Non, attendez, je dis n'importe quoi. 3,90€ le pantalon, donc parfait. Parfait, parfait, parfait. Et le truc qui est super pratique, c'est quand vous allez à la salle de sport, vous posez vos sacs, votre sac dans le casier. Généralement, vous le fermez avec un cadenas. Généralement, alors moi, je ne le fais plus parce que une fois, j'ai perdu la clé, j'ai dû casser le cadenas. Généralement, quand vous avez un cadenas avec une clé, vous n'avez pas de poche dans vos pantalons. Et bien, avec les pantalons de Kiabi, il y a des poches. Donc là, elle est au niveau des fesses, la poche. C'est super pratique parce qu'on ne sait jamais où mettre nos clés. Voilà. Ou alors, je vous conseille d'acheter un cadenas à code parce que quand vous perdez vos clés, vous êtes dans la merdouille. Donc, voilà. Donc, ce pantalon noir avec élastique rose et bleu. Et au niveau du bas, c'est pas un slim. L'autre, c'est un slim. Celui-là, il est un petit peu... Bah, il n'est pas slim, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, celui-ci, je vous ai dit 3,90€. Et celui-ci, qui est avec un élastique jaune fluo bien flash, comme ceci, et qui est slim en bas, donc vraiment parfait. Toujours la même matière cycliste un petit peu. Franchement, moi j'adore. J'adore quand ça me moule, j'adore quand ça me tient bien le ventre, c'est vraiment ce que je cherche. Et donc celui-ci était à 12€ avec 70%, donc ça le fait à 3,60€, c'est vraiment parfait, j'adore. Voilà, donc là je suis parée pour les affaires d'hiver, pas pour les affaires d'hiver, pour les affaires de sport, pardon. Parce que comme vous savez, quand on perd du poids, etc., ça ne nous moule plus autant qu'avant. Donc ça sert à rien. Autant racheter. Et là, franchement, ça vaut vraiment le coup pour le prix que je les ai payés. Ensuite, avant de passer au niveau des robes et des jupes, je me suis trouvé deux foutas. Alors, j'en avais pas besoin. Franchement, j'en avais pas besoin. Des serviettes pour aller à la plage, etc., j'en ai pas mal. Mais là, quand je les ai vues en promo et quand j'ai vu la couleur, je me suis dit fonce parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc j'en ai pris deux. J'en ai pris une rayée bleu turquoise avec le fond beige. Elle était au prix de 10€ et il y avait 30%, donc ça me l'a fait à 7€. C'est des foutas qui sont genre super grandes puisqu'elles font 1m80 sur 1m10. Donc c'est vraiment immense. Moi je fais 1m70 donc il me faut vraiment une grande serviette. Si je peux pas m'essuyer tout le corps, c'est juste pas possible. Si je peux pas m'allonger entière dans le sable, c'est pas possible non plus. Donc voilà. Donc celle-là elle est vraiment parfaite. Et pour 7€ ça vaut vraiment le coup. Puisque ce genre de foutas ça coûte genre super cher. Si vous allez faire les marchés en bord de plage, ça peut aller entre 20€ et 25€, donc ça, c'est pas donné quand même. Donc là, quand j'ai vu à 7€, j'ai foncé. Et celle-ci qui est beige et jaune, comme mon t-shirt, qui était encore moins chère puisqu'elle était au prix de 10€, moins 50%, donc j'ai eu à 5€, parfait. Et toujours la même taille, 1m10 par 1m30, c'est 1m80, pardon. Parfait, parfait, parfait. C'est vraiment super pratique. Moi, j'adore ce genre de serviette. C'est vraiment parfait. J'ai dit parfait pas mal de fois dans cette phrase. Mais voilà, ça l'est. Ensuite, je me suis pris un basique, une jupe longue, très très longue, donc, qui arrive aux pieds, qui cache même les pieds. Enfin, ça dépend quelle taille vous faites. Mais voilà, elle est vraiment magnifique. Elle est très très simple, vous allez me dire. Mais c'est vraiment un basique à avoir dans sa garde-robe. J'en avais une que j'avais achetée à H&M, je crois. Et en fait, je l'avais en taille XL. Donc elle était... Alors je pouvais toujours la porter, mais de temps en temps elle tombait parce que l'élastique ne serrait plus. Elle m'allait trop grande, etc. Donc voilà, j'ai décidé de m'en racheter une. Celle-ci, je l'ai prise en taille M. Elle était au prix de 13€, je crois. 13€, moins 50%. Donc ça fait une jupe à 6,50€. Voilà, vraiment parfait. Je voulais la prendre en plusieurs couleurs, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que celle-ci, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, vous mettez ça avec un petit haut de couleur et c'est juste parfait.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense que je serai des tenues du jour, que ce soit avec les jupes ou les robes sur mon blog. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner à la newsletter. Voilà pour ce qu'il en est de cette petite jupe. Et maintenant, on va passer au niveau des robes, puisque j'en ai acheté 4. Je me cherchais absolument des robes pour pouvoir porter quand il fait très très chaud. Aujourd'hui, on a 33 de prévu. Donc autant vous dire qu'il va faire très très chaud. Et que je vais mettre une robe, c'est obligé, parce que je me sens bien dans une robe en fait. Voilà, tout simplement. Alors, la première robe qui est de couleur blanche que je vais porter ce week-end en fait. Juste après la vidéo, je vais la mettre au sale. Puisque ce week-end, en fait, on fête notre Pax. Si vous n'êtes pas au courant, c'est Paxé. Et on fait une petite fête à la maison avec la famille. Donc voilà, ça sera ma robe, entre guillemets, Pax. Et donc elle est blanche, elle est assez simple, ma foi. Donc vous avez des petites manches comme ceci, un petit peu papillon. Vous avez ici un petit détail de perles argentées, donc sur la manche qui est sublime. Et vous avez dans le dos en fait un truc comme ça, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, dans le dos. Donc en fait elle est vraiment sublime. Au niveau du décolleté, donc dans le dos et devant, c'est un décolleté en V. Et elle est vraiment très très, bah très décolletée, pas très décolletée mais elle est décolletée quoi. Et ça fait vraiment superbe. Au niveau de la longueur, elle arrive niveau genou. Pile poil la taille qu'il me faut, la longueur qu'il me faut, donc voilà, vraiment parfait. Voilà, donc bien entendu, là, je pense que vous allez voir les taches, il y a des taches noires, parce qu'elle a dû traîner par terre dans le magasin ou quoi, et il y a des petites traces noires. Donc là, elle va partir directement au lavage, j'espère que ça va partir. Et puis comme ça, je la repasserai et elle sera prête pour dimanche, parce que je la mets dimanche. Ensuite, je me suis pris cette robe noire. Alors, au départ, quand je l'ai vue en rayon, j'ai dit, est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Je savais pas trop, étant donné qu'on est en été, moi, je, personnellement, alors, je mets du noir, hein, mais en été, je préfère mettre de la couleur. Mais je me suis dit, là, une robe, il te faut une robe noire à petite bretelle, donc voilà. Et puis, pour le prix, je l'ai payé 6€, donc rien à dire. Donc, cette robe, au niveau du décolleté, c'est de la dentelle, elle est vraiment magnifique, magnifique. Elle est resserrée au niveau de la taille et au niveau de la longueur, pareil, elle arrive niveau genou, donc c'est vraiment parfait. Moi, c'est exactement la longueur qu'il me faut. Ni trop court, ni trop long. Voilà, j'adore. Voilà, donc comme je vous ai dit, celle-ci, je l'ai pris en taille 42 et je l'ai payée 6€. La robe blanche, juste avant, je l'ai pris en taille 44. Méfiez-vous si vous l'achetez sur internet, puisque moi, normalement, je mets du 42, des fois, c'est du 44. Mais la 42, elle m'écrasait les nichons, donc je les prends en 44. Je vous parle de la blanche. Et ensuite, donc les deux dernières robes, je les avais repérées depuis un bon moment, que ce soit en magasin ou sur le site internet. J'avais essayé et je m'étais dit, tu prendras en 42 si tu la commandes sur internet. Et en fait, en essayant en boutique, alors je me suis dit, tu prendras la 42 quand il y a un mois et demi. Donc depuis, j'ai perdu un petit peu de poids. Et quand je l'ai essayé en boutique, j'étais avec mon doudou et il m'a dit non, prends la taille en dessous parce que au niveau de la poitrine, ça baille et c'est pas très beau. Et effectivement, il avait raison. Alors, je suis allée chercher le 40 en rayon sans grande conviction et je rentre dedans, donc voilà, trop contente. Donc cette robe-ci, elle est à petite bretelle au niveau du décolleté. Donc c'est un décolleté V qui prend, qui monte en... Je sais pas comment vous dire ça, sur la poitrine en fait. Il n'y a pas trop de décolleté, hein, on voit pas tout. Donc c'est vraiment parfait. Vous avez un petit élastique au niveau de la taille. Donc voilà, pour faire partir la robe un petit peu en évasé. Elle est vraiment magnifique, franchement je l'adore. Au niveau du bas, vous avez également de la dentelle. Vous avez une doublure parce que sinon on voit tout. Et voilà, elle est vraiment sublime. Elle était au prix de 25€ moins 30%. Donc ça l'a fait à 17,50€, voilà, c'est un bon prix, rien à dire. Et j'ai également pris la même en jaune moutarde, puisque c'est une couleur que, franchement, j'adore, je trouve cette couleur magnifique. Et quand vous avez un bronzage, et eh ben, ça va super bien, donc voilà. Pareil, je l'ai pris en 40, et celle-ci était soldée à 50%, donc ça la faisait à 12,50€, donc vraiment parfait. Voilà pour ce qu'il en est de mes achats à Kiabi. Je ne pense pas y retourner parce que j'ai vraiment fait le tour. Au niveau des t-shirts, etc., j'ai fait une commande sur un autre site.
et donc que je vous présenterai bientôt hein. Mais voilà, au niveau des robes, des vêtements de sport et des blazers, j'ai tout ce qu'il me faut, donc c'est vraiment parfait. Voilà, bien entendu je vous mettrai les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas également à me dire si vous allez souvent à Kiabi, si vous avez fait vos soldes à Kiabi, etc, etc. Je vous fais plein 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 de bisous, prenez soin de vous et à très très vite. Bisous.